Paris-Alger-Dakar. 10 000 km de désert, de cailloux, d'ergue et de savane. Label de qualité pour tout terrain. L'Algérie, le Niger, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. En un mot, c'est l'Afrique. Cet enfer poussiéreux, Lada et ses 4x4 Niva se trouvent parmi les voitures de tête dès les premières spéciales algériennes face à l'escouade des Range Rover et des Mercedes. Trossa Briavoine, Briavoine de Lierre face à Medj, X et Josso, c'est le désert au plus haut niveau. Cette image illustre bien ce que seront les 10 000 km de ce 5e Paris-Dakar, plus difficile que jamais, avec des sprints de 600 km. Pour soutenir ce train d'enfer, les équipages Lada disposent d'une Niva préparée spécialement par les services compétition de POC-SA. Meilleur rapport poids-puissance, 180 chevaux pour 1000 kg, 2400 cm3, vitesse de pointe, 175 km/h. Entre Janet et Shirfa, l'une des spéciales les plus rapides, Trossa réalise le meilleur temps scratch et consolide sa deuxième place au classement général. La nuit, c'est le travail de l'assistance. Celle de Lada est composée de 7 mécaniciens, de 2 camions 6-6, une équipe dirigée par Jean Vinatier. Il faut savoir que dans cette fantastique chevauchée où se mélangent auto, moto et camion avec chacun leur propre classement, la victoire ou l'échec ne tient souvent qu'à un simple boulon. Les étapes se suivent sans se ressembler, sauf le classement en tête où, dans la foulée de Jackie X, on retrouve toujours Medj, l'Artigue, mais surtout la Lada de Trossa et Briavoine. Déjà vainqueur en 1982 du rallye des Pharaons et du rallye d'Algérie, Lada totalise depuis 2 ans 4 premières places au classement scratch sur le circuit africain. Contraste étonnant que celui du désert entre le sable plat et les hautes montagnes, entre la vitesse des voitures et des camions et la marche lente des Bédouins. Et voici l'Afrique noire. Les spéciales de l'enfer du Ténéré, dont l'une remportée par Lada, sont maintenant derrière. C'est le tour du trial chaotique et des grandes étapes de liaison. Sur ces 2300 km entre Agadez et Korogo, c'est encore une victoire pour Trossa et Briavoine qui s'imposeront également en Mauritanie entre Kifa et Kaïdi.
Paris-Dakar, aller vite, c'est être devant, car il faut éviter les dépassements acrobatiques dont beaucoup de concurrents feront les frais. Avant le Sénégal, Trossa et Briavoine ont repris quelques minutes précieuses à la Mercedes de Jackie X et Claude Brasseur, menacés de réclamation pour une interprétation hasardeuse du règlement. À l'image de cette course-poursuite, il s'agit bien d'un combat des chefs. L'arrivée est prévue pour demain. Contrat rempli pour Lada, au bout du désert, la plage. La dernière étape de Sable Rose entre Tiougoune et Dakar ne modifiera pas l'ordre du classement. Premier Jackie X, deuxième Trossa et Briavoine. 50 minutes seulement séparent les deux voitures après 20 jours et 10 000 km de course. Une fois de plus, le team Lada a montré l'efficacité de son organisation.